בעזרת השם יתברך, פרשת מסעה, פסוק י"ז. אז כתוב, ואלה שמות האנשים אשר הנחלו לכם את הארץ, לעזר הכהן ויהושע בן נון. Voici les noms des gens qui vont vous faire acquérir la terre d'Israël. Quel Bezrat Hashem Yitbarach, Rabbi Nathan dit Zvulun haya maspik le Issachar atzadik shayosek batora. Il y avait un contrat entre Zvulun et Issachar. Zvulun, quelqu'un qui travaillait, et Issachar, c'est quelqu'un qui étudie la Torah. Et Zvulun, il travaillait et il entretenait Issachar pour qu'il puisse étudier la Torah. Quel? Comme Moshe Amour Rabotenu Zal, chez Zehu Ikar Tikun Tavat Mamon. Il dit Rabbeinu que ça, c'est l'essentiel de la réparation de la Tavat Mamon, de la passion de l'argent. Donc, quelqu'un, il a une passion pour l'argent. C'est quoi le Tikun? C'est que quand il travaille, il pense qu'il va gagner pour qu'il puisse donner de la tzedaka. Là, son tikkun. C'est-à-dire qu'il pense qu'il fait du commerce, comme ça il va gagner de l'argent, Bezrat Hashem Yitbarach, et il va pouvoir donner le maaser, okay, 10% pour la tzedaka, ou alors encore mieux, c'est 20%, ça s'appelle chomesh. Ça, Rabbeinu, il dit que quelqu'un donne le chomesh, c'est-à-dire 20% de ses gains, il mérite de servir Hashem Yitbarach, comme on dit dans le Kriyat Shema. כן, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. Tu vas aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. Il dit Rabbeinu, quand quelqu'un donne 20% de ses gains, c'est comme si il sert Hashem Yitbarach de tous ses moyens. Okay? Et ça, c'est essentiel de la réparation de la Tavat Mamon. En faisant du Massa au matin, du commerce, il pense qu'il va donner, ce qu'il va gagner, Bezrat Hashem Yitbarach, il gagne pour qu'il puisse donner ces 20%-là. Dans tout le reste qu'il gagne, tout est réparé, puisque sa pensée, elle va, que lui, qu'est-ce qu'il veut, son commerce, c'est pourquoi, c'est pour qu'il puisse arriver à ces 20%-là et donner à la tzedaka. Comme ça, en pensant à ça, il fait le tikkun du massa au matin du commerce, de la ta'at mamoun. Comme voir, bedivre Rabbein Ozal, chez Ekar tikkun ta'at mamoun ou tzedaka. L'essentiel du tikkun de la ta'at mamoun, c'est quoi? C'est la tzedaka, de donner la tzedaka. Nim ça, chez Zvulun, ou Prinat Tikkun Tavat Mamon. Donc il se trouve que Zvulun, lui, il a fait le Tikkun de la Tavat Mamon. Parce que qu'est-ce qu'il faisait? Tout ce qu'il travaillait, c'était pour entretenir Issachar, le tzaddik. Issachar, il étudiait la Torah, c'était le tzaddik. Et Zvulun, c'était aussi un tzaddik. Ce tzaddik-là, c'était un tzaddik qui s'attachait au tzaddik. L'entretenait le tzaddik pour qu'il puisse étudier la Torah. Nimsa chez Zvulun ou Prinat Tikkun Tavat Mamon. C'est-à-dire que Zvulun, c'est lui qui a fait la réparation de la Tavat Mamon. Il faisait la réparation de la Tavat Mamon. Valken Zvulun ou Kavur al Gvul Eretz Israël Betsidon. Où est-ce qu'il est enterré, Zvulun? Zvulun, il est enterré à la frontière. À Tsidon. Tsidon, c'est à la frontière. Il y a. Depuis le tombeau de Zvulun, ça commence à Eretz Israël. Il est enterré sur la frontière. Alors il dit Rabbi Nathan, pourquoi Zvulun il est enterré sur la frontière? Bechinat v'erketo al Tzidon, chez Sofo al Tzidon, shugvu l'Eretz Israël. Zvulun Tzidon, c'est quoi? C'est mamash la frontière de l'Eretz Israël. Zeremez, chez Ede Prinat Zvulun, d'ayenu Prinat Tikkun Tavat Mamon, zochin l'Echnos l'Eretz Israël. Il dit Rabbi Nathan que ça c'est un remez, une allusion. Ça va nous faire apprendre que grâce à Zvulun, on peut mériter de rentrer en Eretz Israël. Grâce à cette réparation-là de la Tavat Mamon, de la passion de l'argent, et en s'attachant au tzaddik, en entretenant le tzaddik, okay, et en donnant notre tzedaka au tzaddik qui étudie la Torah, okay, à Issachar, qui étudie la Torah, okay, on peut mériter de rentrer en Eretz Israël. Aïnou, aïdé chez Mevakshim, Mechapsim et Tzaddik. Grâce à ça qu'on recherche le tzaddik, on mérite de se sauver de la recherche après, le côté du mal et la recherche de l'argent. C'est-à-dire comme ça.
Quelqu'un, il recherche. C'est ça, la vie de quelqu'un, c'est de rechercher quelque chose. Sinon, il n'y a pas, il ne peut pas, il est obligé de rechercher quelque chose. S'il a un mérite, la personne, elle recherche le tzaddik. Sinon, si elle arrête de rechercher le tzaddik, de rechercher l'Hachem Yitbarach, de rechercher la Torah qui se trouve chez le tzaddik, alors elle recherche après ça hein, les passions de ce monde. Et Zvulun, tout ce qu'il faisait, lui, c'était rechercher le tzaddik. C'est-à-dire que même quand il allait faire le massa au matin, c'était pour entretenir le tzaddik. Donc même sa recherche après l'argent, c'était plus une recherche après l'argent, il cherchait plus l'argent. Il cherchait comment il va pouvoir entretenir le tzaddik. Quand il va pouvoir entretenir le tzaddik, donc toute sa recherche qu'il avait dans son commerce, c'était en vérité une recherche après le tzaddik, comment entretenir le tzaddik. Et grâce à ça, on mérite à rentrer en Eretz Israël. Qui ikar Eretz Israël, zochin al-edei ha-tzaddik. L'essentiel de Eretz Israël, on mérite grâce au tzaddik. Comme c'est marqué dans les Tehillim, tzaddikim irshu haaretz. Les tzaddikim, ils reçoivent en l'Eretz Israël. Irshu, l'irash, ça veut dire c'est une quand un père il laisse pour son fils, c'est un héritage. Tiens, les tzaddikim, ils héritent l'Eretz Israël. Bemet, quelqu'un il peut être en Eretz Israël. Et sa tête elle est pas en Eretz Israël et les tzadikim qui sont en Chutz La'aretz, où ils sont, c'est la prina d'Eretz Israël. C'est marqué Mefourash. Rabbeinu dit dans l'Écouté Moharan que l'endroit où il est enterré le tzadik, c'est mamash la sainteté d'Eretz Israël. Les quatre amot, les 2 mètres carrés qui entourent du tombeau du tzadik, c'est mamash et la Kdusha d'Eretz Israël, avec le tzaddik qui mérite Eretz Israël. Si on veut recevoir la Kdusha d'Eretz Israël, quand on vient en Eretz Israël, on veut recevoir la Kdusha d'Eretz Israël, c'est très bien de toute façon, quand on vient en Eretz Israël, en faisant 4 pas en Eretz Israël, on mérite de recevoir la Kdusha d'Eretz Israël. Mais il faut avoir la pensée de vouloir recevoir sur nous cette Kdusha. Il faut avoir la pensée, comme chaque mitzvot, quand quelqu'un il va mettre les tefillines. S'il ne pense pas que c'est des tefillines, s'il ne sait pas ce que c'est, il veut mettre des trucs, c'est beau, il croit que c'est beau, il veut mettre ça sur la tête, il n'a pas accompli la mitzvah. Il faut qu'on veut accomplir une mitzvah, il faut penser à accomplir cette mitzvah si on veut mettre les tefillines. Alors je pense que je suis en train de faire une mitzvah, il met les tefillines sur la main, sur la tête. Je fais une mitzvah, Hashem Yitbarach m'a ordonné de ça, et je suis en train de faire une mitzvah. Ken, je suis en train d'accomplir cette mitzvah. A mitzvot tzrichot kavana. Quand quelqu'un veut faire Kriyat Shema, je vais maintenant m'acquitter de la mitzvah du Kriyat Shema. Okay? Alors il fait, il me dit, si c'est pour se réchauffer, il n'a pas accompli la mitzvah. Je pense maintenant m'acquitter de la mitzvah des tzitzit. Alors il met les tzitzit sur lui, il fait une mitzvah. La même chose, Eretz Israël. Quand on est en Eretz Israël, pour pouvoir ressentir la Kdusha d'Eretz Israël et recevoir la Kdusha d'Eretz Israël, il faut penser que je vais rentrer en Eretz Israël maintenant pour recevoir la sainteté d'Eretz Israël. Bezrat Hashem Yitbarach. Mon Rabbeinu dit dans le Torah Kuf Kaftet que quelqu'un qui n'a pas mérité, et il y a un tnaï. Comment la terre d'Israël elle peut te rendre saint comme elle. Mais il y a un tnaï. Un tnaï, c'est une condition. Il faut que quand tu viens en Eretz Israël, tu veux te rapprocher de Dieu grâce à ça. Si tu ne cherches pas à te rapprocher de Dieu, tu cherches autre chose. Ken, Chas Veshalom, tu cherches autre chose, des plaisirs de ce monde ou quoi, le soleil ou autre chose, tu ne mérites pas la Kdusha d'Eretz Israël. Il faut que quand tu viens en Eretz Israël, tu fais 4 amot, il dit Rabbeinu, le tnaï, la condition qu'il y a, tu fais 4 pas en Eretz Israël, tu peux mériter mamash la sainteté que la terre d'Israël, elle te mange, elle te rend saint comme elle. Mais il faut penser mamash à vouloir recevoir la sainteté d'Eretz Israël. Veillez efchar la Adam l'iskot l'Eretz Israël, qui im al edet tzadikim amitim. La personne ne peut pas mériter la Kdusha d'Eretz Israël rien que grâce aux tzadikim amitiim, aux vrais tzadikim, chez Zeo Prinat Anessim, chez Emid Moshe l'Anchi l'Aretz l'Israël. Comme c'est marqué, Ken, que Moshe Rabbeinu il a mis des Nessim, c'est-à-dire des tzadikim, pour pouvoir conquérir la terre d'Israël. On peut la conquérir la terre d'Israël que grâce aux tzadikim. Moshe Katou, Vele Anashim, Vehule l'Inchol et Aretz. Comme on voit dans le pasouk là, Yodzain, Ele Shemot Anashim. Voici les noms des gens. Asher inhalu lachem et ares, que eux ils vont vous faire conquérir la terre d'Israël. Elazar Cohen ve Yoshua Binun.
Et après ça, après Lazare Akwen et Yoshua Binoun, chaque tribu, il a son assis, son ken. C'était les tzadikim, la tête de chaque tribu, c'était les tzadikim, que eux, ils peuvent vous acconquérir la terre d'Israël. Ça veut dire, comment, si on veut recevoir la Kdusha d'Eretz Israël, on veut conquérir vraiment la sainteté d'Eretz Israël, c'est que grâce aux tzadikim. Qui est Efchar les Scott, l'Eretz Israël, qui est Maledé à tzadikim amitim. Si on veut recevoir vraiment la Kdusha d'Eretz Israël, c'est que grâce aux tzadikim amitim. C'est pour ça que Bémet, quand Rabbi Nathan est venu en Eretz Israël, il est tout de suite parti sur les tombeaux des tzadikim. Même que Rabbeinu lui a dit, Eretz Israël, tu vas en Eretz Israël avec ses maisons, avec ses. Rien que rentrer en Israël, faire un tour, se balader en Eretz Israël, si la personne a la pensée, maman, de recevoir la sainteté d'Eretz Israël, il reçoit la sainteté d'Eretz Israël. Mais malgré ça, il y a un inyan, quand on vient en Eretz Israël, d'aller sur les tombeaux des tzadikim en Eretz Israël pour recevoir maman, la sainteté d'Eretz Israël. Parce que la sainteté d'Eretz Israël se trouve sur les tombeaux des tzadikim. Avec Rabbi Nathan, quand il est venu en Eretz Israël, tout de suite il est parti sur les tombeaux des tzadikim, chez Rabbi Shimon, Bar Yochai, chez le Ari Akadosh, et sur autre plein de tombeaux de tzadikim, qui est Charles Scott, l'Eretz Israël, qui est malédé à tzadikim amitim, qu'on ne peut pas recevoir la sainteté d'Eretz Israël que grâce aux tzadikim amitim, chez Al-Yadam Zochim Lemunat Chidush Haolam, que grâce à eux, on peut mériter la sainteté d'Eretz Israël, que ça représente la Emouna, de croire mamash en Dieu, et d'avoir la Emouna, et de savoir mamash que c'est Hachem Yitbarach qui a créé le monde. Et Hachem Yitbarach, il renouvelle le monde. Il va renouveler le monde, et que Hachem Yitbarach, il a créé le monde de rien. De rien, il a créé le monde. Ça, c'est la sainteté d'Eretz Israël. C'est ça, la sainteté d'Eretz Israël. C'est la notion des Nissim, des miracles. Toi, Kadosh Baruch Hu, il peut faire des miracles. Notre prière, elle peut faire des miracles, mamash. Ken? Et ça, ils vont pouvoir recevoir que grâce aux tzadikim amitim. Valken Zevulun, pour ça que Zevulun, chez Zeo Prinat Amitkarev la tzadik haemet. Que le Zevulun, il représente celui qui se rapproche du tzadik et qui il sert le tzadik avec son corps et avec son âme, avec son argent, et il fait tout ce que le tzadik il a besoin. Que Zevulun, il a travaillé, il faisait du business, du commerce pour pouvoir entretenir Issachar, que lui étudiait la Torah, que c'était le tzadik, les élèves du tzadik. Les élèves du tzaddik, les élèves d'Issachar, les enfants d'Issachar, tout ce qui est étudié dans les yeshivot de Issachar. Où Zoché la vole Eretz Israël? Lui, il a mérité Zvouloun, c'est lui qui te fait rentrer en Eretz Israël. Comment? Il se trouve à la frontière. Valken Zvouloun omède à la Gvoul Eretz Israël. C'est pour ça que Zvouloun, il est enterré à la frontière. Qui d'aïe qu'à l'aide de Prinat Zvouloun, choua mitkarev la tzaddik haemet, à l'aide de Zoché l'echnos ve la vole Eretz Israël. Grâce à ça, il peut mériter, maman, de venir et de rentrer en Eretz Israël. Alors, Bézat Hashem Yitbarach, qu'on puisse mériter de se rapprocher de Rabbeinu Akadosh et de ses élèves, et de penser, maman, de donner à Tzedaka aux tzadikim amitim, et de maman, mériter la sainteté d'Eretz Israël. Bézat Hashem Yitbarach, Shavua Tov et Shabbat Shalom, Kol Tov.